Oui, je sais, mes cheveux, ça va pas du tout. J'allais me coiffer, je me suis dit juste avant de partir à ma leçon de conduite, il fallait que je relance une vidéo. Alors j'ai une mine horrible, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai intérêt à me bouger un petit peu sur ma tresse parce que je suis censée partir maintenant. J'aime pas être en retard. Ça fait plus d'une semaine et demie que j'ai pas conduit. J'ai l'impression que j'ai plus savoir rien faire, surtout que j'ai qu'une seule heure aujourd'hui. Et j'ai au total 5 heures cette semaine. Aujourd'hui, ça va être ma 13e heure. Et honnêtement, le stress commence à monter. Parce que je suis en train de me dire, ça fait 13 heures, je sais toujours pas conduire. Je me dis heureusement que le code, je l'ai passé en candidat libre parce que là, ça commence à faire un petit peu mal. Ma monitrice m'a donné les clés et elle m'a dit, la voiture est en bas. Donc étape 1, trouver la voiture. Voiture trouvée, hop là, nous sommes sauvés. Bon, je suis pas sauvée de mes cheveux parce que depuis que je les ai coupés, ils tiennent plus en place. C'est parti pour la désinfection. Je sais toujours pas où vous poser dans cette voiture. Oh, j'ai fait tomber les clés. Ok, il y a définitivement aucun endroit où je peux vous poser dans cette voiture, donc je vais devoir vous retrouver après. Je sais, je vous ai pas fait de résumé de la dernière leçon, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Par contre, vous allez être grave jaloux. J'ai des petites voitures. Je sais pas quel est le but de ces petites voitures, mais je trouve ça extrêmement amusant. Quand elle va revenir, je vais me faire disputer parce que je me suis pas installée. Ma monitrice, elle doit se dire que je suis trop bizarre de me filmer à chaque fois. Elle doit se dire que j'ai l'élève la plus étrange de la planète. C'est parti pour la leçon de conduite. Oui, je mange en rentrant de ma séance de conduite alors qu'il est 18h30. Mais c'est trop mignon, c'est des petits empanadas. Ah, ça chaud. Bon, grosso modo, la dernière fois, j'avais une heure. Et le but, c'était de tourner à droite, mais en roulant à 50. Et j'ai eu vachement de mal. En une heure, je maîtrisais pas du tout. Du coup, pendant les 2 heures d'aujourd'hui, on a fini. Et on est allé plus loin que d'habitude. On a encore changé d'endroit. Et cette fois, du coup, on a commencé à travailler un peu les régimes de priorité, etc. Ça vous manque quelque chose. Donc ça, c'est toujours mon livre de conduite. Et donc, dedans, il y a des compétences. Et moi, dans la compétence 1, il y a tout qui est coché. Bon, celle-là, elle est pas cochée, mais je sais pas pourquoi. Je suis extrêmement fière. J'ai pas du tout aimé cette leçon de conduite parce que c'était très dur et j'ai intérêt à avoir une voiture avec le start and stop. Hein. Je fais que caler, que ça. Dès que je m'arrête, je cale. Je m'arrête, je cale. D'ailleurs, je crois que je m'arrête en calant. Je pensais pas que j'allais faire une deuxième vidéo sur vraiment mes heures de conduite. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il va encore se passer plein de trucs. Oh, donnez-moi des pâtes pour me réconforter. Comment dire? J'ai eu 2 heures de conduite aujourd'hui, c'était juste horrible. On a commencé la détection des intersections et donc grosso modo, c'est moi qui dois dire bah là il y a une intersection, voilà son régime de priorité et je dois agir en fonction. Donc je dois conduire pour de vrai quoi. Et c'était tout bonnement affreux. Émotionnellement, c'est trop compliqué de conduire. Ma monitrice, elle était pas contente du tout. J'ai encore 2 heures de conduite demain et ça va être compliqué je pense. Tu me noies dans un verre d'eau hein. Mais c'est super compliqué. Aujourd'hui, j'ai failli me mettre à pleurer pendant que je conduisais. Coucou, j'ai amené mes lunettes. Je me suis dit que ça réglerait peut-être le problème. Sauf que lunettes plus masque est égal buée. Donc bah sans lunettes, je vais continuer à voir la vie pas en 3D parce que je vois que d'un œil sans mes lunettes. Donc ça, c'est un petit peu la galère. Bah alors, je suis sûre que mon pyjama vous avait manqué. Je me suis dit, on va attendre d'être en pyjama pour faire la séquence. Non, c'est pas vrai, j'ai totalement oublié de la faire avant, j'ai pas eu le temps. Mon verre de vin m'attendait pour fêter le week-end. Aujourd'hui, je me suis sentie clairement mieux que hier. Tout le monde me dit, tu verras une fois que t'auras passé le permis, tu te diras, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas passé avant? C'était tellement simple. Et non, c'est pas simple du tout. Pourquoi tout le monde dit que le permis c'est simple? Alors que quand je parle de mes difficultés, tout le monde me dit, ah ouais, j'ai connu pareil. Bah oui, mais si t'as connu pareil, ça veut dire que tu te rappelles pas que c'était compliqué. Du coup, d'un côté, je suis contente de faire ces vidéos parce qu'au final, je vais me rappeler et je vais montrer aux autres que passer son permis, c'est compliqué et qu'on est tous dans la même merde. Cette nuit, j'ai hyper, hyper mal dormi parce que j'étais complètement malade. Donc ça n'étonnera personne si je dis que je suis fatiguée et que je suis toujours malade. Et si quelqu'un se pose la question, ma chambre, c'est toujours un mess. Bref, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ouh, quelle fatigue. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je vous avais pas dit ça, mais mon cours de conduite s'est bien passé. Aujourd'hui, on a fait les carrefours à sens giratoire. Par contre, j'ai de l'eczéma de partout, ça m'énerve. J'ai fait ma séance de conduite qui s'est, pour une fois, extrêmement bien passée. Je suis même montée jusqu'à 90. J'ai passé la 5e, en effet. Je passe mon permis le 28 avril. Je suis très stressée. Je passe mon permis. Dans un mois, je suis censée avoir le permis, là. Youhou! Il fait beau! Nous sommes le 27 avril et je viens de faire ma dernière heure de conduite. J'ai fait un examen blanc, ça s'est très bien passé, j'ai fait que 3 erreurs, dont 2 éliminatoires, donc ça va. Elle m'a dit que ça allait apparemment, mais 2 erreurs éliminatoires, ça fait 2 de trop le jour du permis. Hein. Ça s'est quand même très très bien passé, mon permis étant le 28. J'arrive à l'auto-école et qu'est-ce qu'ils me disent? Ton permis est annulé parce que le moniteur a le Covid. J'ai les morts.
J'étais ce matin trop contente de passer le permis parce que je me suis dit au moins c'est un truc clos dans ma vie. Et qu'est-ce qui se passe? Ils annulent mon permis. Je pense que j'ai pété un câble parce que ces derniers temps c'est loin d'être facile. J'ai trop de trucs en même temps. Et là qu'on m'annule mon permis alors que je me disais ça y est tu vas pouvoir te libérer un peu de temps libre, ne plus conduire tous les jours etc. C'est le pompon sur la Garonne. Je suis vraiment hyper en colère. Je suis dans les escaliers de chez moi parce que j'ai pas trop le temps. Mais j'ai passé mon permis ce matin. Ça faisait une semaine et demie que j'avais pas conduit. J'ai juste reconduit hier avec ma mère. Et franchement, hier, c'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste un petit moment où j'ai dit bonjour au trottoir. On va pas se le cacher. Donc c'est peut-être la seule chose qui va faire que j'aurai peut-être pas mon permis. Donc j'attends très impatiemment les résultats. En tout cas, je suis plutôt contente de la manière dont j'ai conduit, je vais être honnête. Il y a juste ce petit truc qui fait que... Oh, je sais pas trop. Je filme avec mon ordinateur, donc je suis ni sûre de la qualité du son, ni sûre de la qualité de l'image. J'ai reçu un appel ce matin, on m'a laissé un message et on va l'écouter ensemble. Aujourd'hui à 9h34. Oui bonjour, c'est Nathalie de l'école, écoute, félicitations, vous avez pour ton permis. Je suis restée avec les résultats. J'ai mon permis. Franchement, avec cette histoire de trottoir, j'y croyais pas vraiment. Ma monitrice vient de m'appeler. Elle m'a appelée avec la secrétaire avec qui je m'entends hyper bien de mon auto-école. Elles sont trop fières de moi. Elle a crié bravo quand j'ai décroché. Oh, je suis trop contente. Je sais pas pourquoi ça me met dans un état d'euphorie comme ça. Mais déjà que moi, je suis contente de moi. Alors si en plus, les gens sont contents de moi, ah, je suis trop contente. J'ai envie de sauter dans tous les sens, je suis absolument insupportable, il faut que je travaille à tout prix cet après-midi parce que j'ai plein de partiels qui arrivent et moi j'ai envie de faire la fiesta. Donc attendez, vous êtes en train de me dire que pour pouvoir récupérer son certificat de permis de conduire, il faut se taper des vidéos de merde où on nous dit qu'on risque de mourir. Des espèces de conseils et j'ai un timer avant de pouvoir passer le conseil. Mais c'est quoi ce délire? Non mais évidemment que le cannabis est illégal. Et puis t'arrêtes pas de me dire que j'ai 3 fois plus de chances de mourir que les autres. Je dois signer une charte conducteur. De toute façon, si je signe pas, vous me donnez pas mon permis de conduire, on est d'accord? gmail.com. Ah attends, j'étais en train d'entrer mon adresse mail pour qu'il me donne une newsletter. Mais je veux absolument pas de newsletter. Je télécharge mon certificat du permis de conduire. On va savoir en direct combien j'ai. Mais je suis un danger public. J'ai eu 20,5. Mon meilleur pote ce matin, il me dit, faudra que tu me dis si t'as eu plus ou moins que moi. Parce que lui, il a eu 24 et je lui dis, non mais sérieux, 24, t'es un danger public. J'ai eu 20,5. Regardez comme je suis contente. Walk away.